Anglo-centre et angle inscrit, première partie du cours avec les définitions de base. Considérons d'abord cette figure où le triangle ABC est un triangle inscrit dans un cercle de centre O. De la même manière, si nous nous intéressons maintenant à l'angle centré en A, l'angle BAC, nous dirons que cet angle est un angle inscrit dans le cercle de centre O. La portion de cercle comprise entre les deux côtés de l'angle s'appelle l'arc de cercle intercepté. Dit autrement, on dira que l'angle BAC intercepte l'arc BC. Il intercepte. Cette situation est différente puisque maintenant l'angle est centré en haut, qui est le centre du cercle. Nous appellerons un tel angle un angle au centre. BOC est un angle au centre. Capitulons un petit peu les définitions de ce cours. Nous rappellerons que si AMB sont trois points d'un cercle, comme la figure le représente, alors l'angle AMB sera un angle inscrit dans le cercle. Et on dit alors que l'angle AMB intercepte l'arc AB. Et dans cette autre situation où l'angle est centré sur le centre du cercle, donc si A et B sont deux points du cercle de centre O, alors l'angle AOB est un angle au centre du cercle. Et dans ce cas-là, l'angle AOB intercepte aussi l'arc AB.